que tu le veuilles ou pas, ça va arriver. Mais ce qui n'est pas établi n'arrivera pas. Et même quand c'est établi, il y a une loi de Dieu qui te donne la possibilité d'arrêter la chose et de la changer. Je peux entendre un amen? Le peuple mourait, le peuple criait, ils étaient assoiffés. Et criaient à Moïse, nous allons au pays, nous et nos enfants, et tous nos bétails. Et descendit, et dit à Moïse, prends ton bateau. Et parler au boucher. Je vais parler au boucher. Tu m'es donné la douce saison. Dieu, notre Père Céleste. God, our Heavenly Father. Pour la grâce qui nous a été accordée d'être encore dans ta présence, de ce côté-ci de l'éternité, nous voulons dire merci. We'd like to say thank. Mais dans ta présence, Seigneur, well, in your presence, God, aucun être humain ne peut se sentir suffisant. No human being can be perfect. Nous nous sentons insuffisants. We are unworthy, et prions que tu pardonnes tous nos péchés. Regarde-nous au travers du sang de l'agneau et accorde-nous la grâce d'être attiré par le Saint-Esprit et réellement transporté en toi. Nous avons confiance, Père, que tu planteras ta parole dans nos cœurs en ce jour et qu'aucune puissance de Satan ne saura s'agiter en ce lieu. Car en ce moment, nous prenons toutes choses sous contrôle au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton propre nom, toi qui as réuni ton peuple. Bénis Israël et bénis le reste de ton peuple au travers du monde. Partout où tes enfants sont rassemblés, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme la dernière fois, nous allons nous lever et nous saluer d'abord les uns les autres. Si vous ne connaissez pas le nom de votre frère, demandez-lui son nom. Si vous ne connaissez pas le nom de votre sœur, demandez-lui son nom. Dites-lui shalom, shalom, shalom. Demandons son nom si vous ne connaissez pas son nom. Demandez-lui son nom si vous ne connaissez pas son nom. Dis-lui shalom bien-aimé, shalom sœur, shalom frère, shalom, shalom. Nous sommes en route vers la gloire. Et c'est avec ses frères que nous allons partager l'éternité. C'est avec cette sœur que vous allez partager l'éternité. C'est avec lui que vous partagerez l'éternité. Dites-lui shalom. Si précieux pour moi, Seigneur, tu es. Si précieux pour moi, et je t'aime. Oui, je t'aime.
Frère Branham dit, says, si tu n'es pas capable de serrer la main de ton frère brother, ou de ta soeur, sister, de l'embrasser, de lui dire que Dieu te bénisse, shalom, her, saying, God bless you, alors c'est que tu ne seras pas au ciel. That you're not supposed to be in the heaven. Parce que là-bas, c'est comme ça que nous vivrons. Voilà pourquoi nous devons laisser tomber les différences et regarder vers le but que nous poursuivons. Ne l'oubliez pas. J'étais en train de dire à Frère Didas, la chose la plus importante que j'ai retenue moi-même du culte de dimanche passé, parce que nous sommes enseignés nous-mêmes, voyez-vous. C'est que moi, j'ai retenu. C'est l'endroit où Frère Branham disait que la chose la plus essentielle du message, c'est l'humilité. Voilà pourquoi vous verrez que sur la terre, peu importe qui vous pouvez être, mais le jour de la mort, toute votre gloire s'en va. When you die, everything is going to be destroyed. Pensons-y. Alors, pendant que vous êtes debout, nous allons lire la parole. So we're going to read the, nous ouvrons dans le livre Bible. Des Psaumes, so we're going to take the book of Psalms, au chapitre 91. Chapter 91. Psaume chapitre 91. Psalms, chapter 91. Et nous allons du verset 1 au verset 8. And we're going to read from 1 to 8 verses. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, vous pouvez vous asseoir. Et en ce jour, nous commençons une étude que nous intitulons Zone de sécurité. Et pour aujourd'hui, nous allons parler du fait d'être à l'ombre du Tout-Puissant. Today we're going to talk about being à l'ombre du Tout-Puissant. In the shadow of the Almighty. Ça sera le sous-thème de ce jour. This is going to be our end theme of today. Dans ce grand thème que nous intitulons Zone de sécurité. In this big sermon that we name Place of Safety. Et comme vous pouvez le voir, notice, je veux m'employer au travers de cette étude de vous parler de la sécurité, de notre sécurité, de la sécurité des croyants, mais pas seulement. Pas seulement de la sécurité. Not only safety, nous allons aller un peu au-delà. So we're going to go above, afin que vous voyez so that you may see plein de choses qui se cachent derrière des choses aussi simples. A lot of things hiding in simple en things. Fait, je voudrais amener votre foi à un autre niveau. In fact, I'd like to bring your faith to another step.
Je veux dire au niveau requis pour l'adoption. I would like to say to the required step of the là où je voudrais vous amener. That is where I want to take you. Donc je ne veux pas me contenter d'apporter ce message comme un bon pentecôtiste. So I'm not going to be based as I'm not going to be. Mais je vais essayer de planter vos pieds dans la parole. But I would like to plant your feet on the word. Parce que notre fondement c'est because la parole. Our basic is the words. Notre étude nous la tirons du livre des Psaumes. Our sermon is le mot somme veut tout simplement dire cantique, melody. On peut aussi dire hymne. We can say sometimes the hymn ou poème. Or poet. C'est ça un somme. This is what we call by a psalm. Et puisque nous parlons de poésie, and when we talk about poesy, pour qualifier les psaumes, in order to qualify psalms, eh bien, l'Ancien Testament est plein de poésie so the Old Testament is full of a lot of poesy. Et de chants. And songs. Nous les trouvons un peu partout dans l'Ancien Testament. And we find it everywhere, a lot of Moïse, par exemple, nous le voyons en train de célébrer l'Exode. Moses, we see him celebrating the Exodus. Par un chant. C'est Exode 15, par exemple. For the song. It's et nous trouvons Déborah et Barak. And we see Deborah qui, dans Juges chapitre 5, chapter exaltèrent 5, la défaite de Sisera lorsque Dieu leur avait donné la victoire sur le roi Sisera. When God gave them the et pour dire merci à Dieu, ils l'exaltèrent en parlant de la défaite de Sisera dans un chant. Talking about the defeat of Sisera in the song. Et nous trouvons également dans la Bible des êtres simples comme Anne, comme dans 1 Samuel 2, des rois comme David et Ézéchias, et même un bon nombre de prophètes qui exprimèrent leurs expériences les plus significatives par des chants. Et cela est courant dans l'Ancien Testament. Dans le cas de David, on le trouvera par exemple dans 2 Samuel chapitre 1, à partir du verset 17. Pour le cas d'Ézéchias, nous trouverons cela par exemple dans Ézéchiel 38, non plutôt dans Ésaïe 38, à partir du verset 9. Et pour revenir un instant sur David, eh bien, le livre des Psaumes est plein de chants chantés par David. The book of Psalms is full of a lot of songs. Et ce livre des Psaumes, duquel nous tirons notre enseignement, zone de sécurité, eh bien, il est formé de 150 psaumes. Donc, nous avons au total 150 psaumes dans ce livre. Et dans les 150 psaumes, sur les 150 psaumes, nous n'avons pas qu'un seul compositeur. Nous en avons plusieurs. David, par exemple, en a composé 73 sur les 150. 73 psaumes ont été composés par David. 11 l'ont été par les fils de Corée. 11 were done by the kids of Corée. Et vous verrez au-dessus, au début d'un psaume, il y a toujours une suscription où l'on dit psaume de David, des fils de Corée. Et c'est cette suscription qui indique l'auteur du psaume. Donc David en a composé 73. David has made les fils de Corée en ont composé 11. Asaph est auteur de 12 psaumes. Ensuite, nous avons quelques noms propres qui apparaissent à l'occasion d'un psaume comme ça. Comme par exemple Ethan avec TH qui a composé le psaume 89. Nous avons Moïse qui est l'auteur du psaume 90. Et nous avons des choses comme ça. Maintenant, vous voyez que David est le plus grand compositeur. Il a composé plus de psaumes que tous les autres. Ses compositions sont largement majoritaires. Il en a fait 73. Quand ceux qui le suivent de près, et particulièrement Asaph,
n'en a que 12. Regardez l'écart. Et c'est pour cette raison que le livre des Psaumes est de façon générale attribué à David. Et on dit donc les Psaumes de David. Mais ça, c'est une généralité. C'est juste pour généraliser et donner un auteur au livre. Mais dans ces psaumes de David, ou dans ce livre de psaumes attribué à David, il y a aussi des psaumes de fils de Corée. Il y a des psaumes d'Asaf et il y a des psaumes qui ont eu un ou deux auteurs comme ça. Par contre, il y a d'autres psaumes dans ce livre de psaumes qui sont plutôt anonymes. Donc on ne connaît pas l'auteur. On ne sait pas qui avait écrit ce psaume. Et ce psaume est dit anonyme. Et celui sur lequel nous allons parler maintenant, le psaume 91, eh bien il fait partie de ces psaumes anonymes. Son auteur est inconnu. Son auteur n'est pas mentionné. Son auteur n'est pas révélé. Mais les fils et les filles de Dieu ont la révélation du véritable auteur du psaume 91. Le véritable auteur du psaume de David, ce n'est pas David. David n'a fait que traduire par écrit ou en chanson une inspiration qu'il avait reçue de Dieu. C'est Dieu qui est en fait l'auteur du livre des Psaumes. Donc il est l'auteur du reste de la Bible. Et donc le psaume 91, quoi qu'il soit anonyme, mais nous en connaissons l'auteur. C'est bel et bien l'Éternel lui-même. Et ces psaumes ont été partagés en 5 livres. Le livre des psaumes est divisé en 5 parties. Chaque partie est appelée livre. On dit donc, pour chacune des parties, livre des psaumes. Book of Psalms. Plutôt, les psaumes, Psalms, livre premier, first book, livre deuxième, second book, livre troisième, third book, livre quatrième, fourth book, et livre cinquième. And fifth book. C'est comme ça que cela est présenté. Et la division du livre des psaumes en 5 parties a été faite avec une intention délibérée de faire coïncider les 5 livres de la loi, la Torah, avec les 5 livres d'adoration, c'est-à-dire les 5 livres du livre des Psaumes, les 5 parties du livre des Psaumes. C'est pourquoi, quand vous ouvrirez votre livre de psaumes à la maison, maintenant je crois que vous allez commencer à le lire différemment. Et vous allez commencer à faire attention. Vous verrez qu'on commence par dire livre premier. Vous avancez un peu plus loin, livre deuxième. Vous avancez encore, livre quatrième. Et pourquoi cette division? C'était pour marier cela à la division que nous avons dans la Torah. La Torah est formée de 5 parties. Ce sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. La Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. 5 premiers livres, 5 parties, ça forme la Torah. All of them et là, ce sont les livres de la loi. And there are the books et dans les psaumes, Psalms, ou livres d'adoration, or books of worship, parce que là, il s'agit de chants, here we talk about de cantiques, de poésie. Nous avons aussi 5 parties. We have God's le livre premier, the first book, le livre deuxième, the second book, et on arrive au livre cinquième. Maintenant, notez une chose. Le livre premier, the first book of Psalms, il part du psaume chapitre 1. It speaks about
jusqu'au psaume chapitre 41. Concerning the first book of the Psalm, we have got from inclus. 1 till 8. Le livre deuxième. The second book. Il part du psaume chapitre 42. Goes from the book. Jusqu'au psaume chapitre 72. 42. Inclus. Till 72. Le livre troisième. The first book. Il part du psaume 73. Goes from 73. Et il va jusqu'au psaume 89. And inclus dans ce livre. Le livre quatrième, il part du psaume 90 et va jusqu'au psaume 106. Inclus le livre cinquième, il part alors du psaume 107 et va s'arrêter au psaume 150 qui est le dernier chapitre du livre des psaumes. The Psalms. I mean 150. Maintenant, juste now, au passage, pour l'intérêt des étudiants de la Bible que vous êtes, so concerning your interest as you are, juste au passage, ce n'est pas important Bible, pour moi. So it's not important for me. Juste au passage, juste but une information au passage. How is a piece of information? Quand vous allez vous amuser when you're going to take your à regarder maintenant le livre des Psaumes à la maison, when you're going to take delight in vous verrez que chaque partie de ce livre se termine par une doxologie particulière. Donc on élève Dieu de façon tout à fait particulière. Et en général, c'est le dernier verset ou les deux derniers versets là sont écrits en gros caractères avec une louange particulière adressée à Dieu. L'Éternel vive à jamais, d'âge en âge, qu'il soit glorifié à jamais, d'éternité en éternité. Une façon de marquer, de façon particulière, la fin d'un livre et le début d'un autre livre. Il n'y a que le cinquième livre qui ne se termine pas comme ça. Parce que le cinquième livre se termine par le chapitre 150. Mais regardez ce chapitre, il est lui-même une doxologie particulière. C'est-à-dire que dans ce chapitre-là, nous avons une élévation de Dieu de façon que aucun autre psaume ne l'a fait ainsi. C'est ce que nous avons dans ce livre de psaumes. Maintenant, now, moi je voudrais plutôt attirer votre attention en parlant de ces cinq parties de ce livre sur ce fait que voici. Notez ce fait, mes amis. Notez ce fait. C'est que, en fait, le psaume qui nous intéresse ici, le psaume qui fait l'objet de notre étude ici, vous pouvez voir aisément dans quelle partie du livre il se trouve. Nous étudions sur le psaume 91. Et par rapport à la répartition que je viens de vous présenter, il est aisé de voir que ce psaume que nous étudions maintenant fait partie du quatrième livre. Is in the fourth le quatrième book. Livre the fourth book commence par le psaume 90 pour se terminer par le psaume 106. The book 19 to end. Donc vous voyez que dans cet intervalle, 206. Nous avons notre psaume 91. We have got our psalm of today. Il est dans ce quatrième livre. Et Frère Branham nous dit, je le cite pour que je ne me trompe pas, que le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance, mais rattaché à la terre. Le ciel n'a pas besoin de délivrance. Les anges qui ne sont pas tombés n'ont pas besoin de délivrance. C'est nous les humains qui avons besoin de délivrance. En d'autres termes, in other words, l'étude de ce psaume va justement nous amener à trouver chacun notre délivrance. Et je veux dire ceci avec force. And I would like to say this strongly. Depuis que vous avez cru ce message,
Since you have believed this vous êtes venu du monde à ce message avec un problème pour lequel vous n'avez pas encore eu de solution jusqu'à aujourd'hui. Mais je crois que cette fois-ci, vous devez trouver la solution. Amen. Quelqu'un dit amen. Someone is saying amen. Cette fois-ci, now, la solution doit être trouvée. Solution must be found. Je n'ai pas besoin de me poser des questions sur ce que Satan pense ou sur la durée de votre cas, la complexité de votre situation. Je ne sais qu'une chose, c'est que ce son va nous placer dans une véritable zone de sécurité. Et croyez-moi, je n'aurai pas fini l'enseignement que vous verrez cela se passer dans votre vie. Si ça ne se fait pas, alors Dieu est mort. Fermons nos Bibles. Rentrons dans le monde. Vivons comme des païens. Faisons ce que nous voulons. Parce que Dieu n'existe pas. Mais s'il existe, quelle que soit la durée de ta maladie, de ton problème, de ton enfantement, ça doit prendre fin maintenant. Amen. Hallelujah. Je n'essaye pas de vous flatter. Je n'essaye pas de vous donner juste du courage. Je viens vous dire ce que Dieu dit. Si vous le croyez, même si le problème est un problème d'argent, tu vas avoir l'argent en question. Pasteur, mais ça fait beaucoup de millions. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu vas voir ça. You're going to have it. Amen. Amen. Oh God Almighty. Si vous avez peur, if you are afraid, vous verrez you're going to see les autres bénis, mais vous ne serez pas bénis. But you're not going to be blessed. Mais vous n'aurez rien. But you will not have anything. Donc il s'agit de vous. So here I'm talking about you. Notez, le psaume 91 so we're going to take the same, justement dit que Dieu that God nous délivre delivers du danger. From the danger. C'est ce que dit ce psaume. This is what that psalm says. Frère, je suis sérieux. Brothers, I am serious. Même si c'est l'argent, even though it's money, Dieu va vous donner. God is going to give it to you. Amen. Qui vous a dit que Dieu n'exauce que quand on a de la fièvre? Only give answer when you're suffering from, vous le ramenez à un petit fever. Dieu comme ça? You bring him to the low step like this. Le psaume ici psalm that you have read va vous montrer autre chose. It's going to show you a different thing. Amen. Notre Dieu our God va vous donner is going ce to que give vous you aviez toujours désiré. What is your ça desire? Va se faire. This is going to be done. Je n'ai pas besoin de me poser des questions. I don't need to si ask vous me demandez, pasteur, if you ask me, pastor, comment ça va se faire, why this is je vais être honnête avec vous. I'm going to be honest with je you. Ne sais pas. I don't know. Mais comment tu sais que ça va se faire? You know Dieu me l'a dit. God has told me it. Amen. Ça règle la question. Vous croyez ça? Et vous allez vivre ça. Oh pasteur, j'ai des dettes. Je suis poursuivi. Ça va se régler. Je répète, le psaume 91 nous dit que Dieu nous délivre du danger. From the snare. Regardez ce que j'essaye de vous montrer. Look at what I'm trying to tell j'essaye you. De vous montrer I try and show you que Dieu that God nous délivre delivers du danger. From the danger. Dieu that God nous guérit. That is earth. Dieu God nous sauve. Saves earth. Dieu God nous accorde sa grâce. Gives us his, mais je grace. Vais au-delà.
But I'm going to go above. Je veux vous montrer like to show you que vous n'avez pas besoin de recevoir de Dieu une bénédiction ponctuelle. But you're not supposed to receive something very basic. Mais vous avez besoin de vivre dans cette bénédiction. But you're going to live in the blessing. C'est ça que j'essaie de vous montrer. Hey, man, this is what I'm Donc, trying je to veux you. Vous introduire là. So, I'm going to take you Parce in. Que dans tous les cas, nous case, avons besoin de ça so we have this pour l'enlèvement. For the rapture. Ce niveau-là. Rapture, et c'est là que je vais vous amener. This is where I want to drive you to. Là, là. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. He who dwells in the secret place of the Most High. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Will rest in the shadow of the Almighty. Je dis à l'Éternel. I will say to the Lord. Mon refuge et ma forteresse. Who is my refuge and my fortress? Dieu en qui je me confie. My God in whom I trust. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. From the snare of the fowler. Le filet de l'oiseleur. The snare of the fowler. Un piège the catch tendu par a catch le chasseur made, des oiseaux. A catch made by the one who is hunting birds. Vous êtes des oiseaux. You are birds. Vous ne le saviez pas? Don't you know it? Amen. Oh, vous ne saviez pas? Didn't you know that you were birds? Non. Je n'ai pas dit que vous êtes des hérons. I didn't say. Ni des corbeaux. I didn't say that you are called. Encore moins les faucons. No faucons. Vous êtes des aigles. You are eagles. Votre Père Céleste est un aigle. Your own father is an eagle. Et vous aussi vous l'êtes. And you are eagle. Mais il y a quelqu'un someone qui tend des pièges à ces oiseaux que nous sommes. Who is making catches. C'est un chasseur. Son problème, c'est poursuivre les oiseaux et les attraper. His problem or his issue On l'appelle l'oiseleur. C'est le diable. Birds. We call him a follower. Et donc It's partout où sont ces oiseaux de Dieu, so everywhere that you find, il y a piège et danger. Mes frères, we have snare of the sur fowler. La terre Brothers, et dans ce monde dans lequel nous vivons, living, les dangers sont réels et partout. Dangers are everywhere. Même dans votre propre maison, Even in your own house, avec les objets que vous utilisez, with the tools that you il using, y a danger. There is danger. Prenez l'eau de Javel. Take que vous utilisez pour désinfecter des endroits dans votre maison et tout le reste. Mais l'enfant peut faire une erreur. Il prend cette eau-là en pensant que c'est de l'eau normale. Ça devient un danger. It's a danger. Il peut en mourir. Can die Je vous dis qu'il n'y a aucun endroit de la terre. I'm telling you that we don't have any place. Il n'y a aucun endroit sur la terre we où vous irez where you go. Où vous ne rencontrerez pas le danger. That you will not meet danger. C'est pour cette raison que Dieu nous parle comme that il parle. Is why God is telling us as he's doing it right Parce now. Que le danger est partout. That is the, because sur danger la terre, is everywhere. On the nous earth, sommes environnés de dangers. We are surrounded by danger. En tout cas, il y a des dangers qui sont visibles. We have got Il y a des dangers qui sont évidents. Il y en a d'autres qui ne sont pas évidents. Those, On est là, out of sight. Mais nous ne savons pas que là, il y a un danger. Tenez par exemple, mes amis. Nous avons sur la terre ce qu'on appelle les catastrophes naturelles. Et quand elles frappent, ces catastrophes, en général, le nombre de morts s'établit en milliers. We have got a lot of persons who die. Et parfois il arrive qu'on atteigne et qu'on dépasse le million de morts à l'occasion des catastrophes naturelles. Et là, c'est la nature qui se déchaîne avec violence sur les éléments humains et sème la mort partout. And causing death everywhere. Ça, ce sont les catastrophes naturelles. This is a natural Où est-ce que vous fuirez Where are you going to quand hide? Elles se déclenchent When we have... Et surtout, s'il n'y a pas eu alerte au préalable. When you mes amis, when you didn't, il y a plusieurs sortes de catastrophes naturelles. We have a lot of natural phenomena. Laissez-moi vous parler de celles qui ont déjà frappé la terre violemment. So I'm going to talk about Et vous comprendrez, mes chers amis, qu'il nous faut une véritable zone de sécurité.
sécurité. Il nous faut être à l'ombre du Tout-Puissant. Sinon, ce serait difficile. Nous savons par exemple les pluies diluviennes. Quand la pluie tombe avec abondance, sans arrêt et avec force, ça mène des dégâts, des inondations, des maisons qui tombent, des maisons noyées, des biens perdus en milliers de dollars, que les gens perdent. Parce que quand vos appareils électroniques prennent de l'eau, parce que toute la maison est submergée, mais vous avez tout perdu. En Chine, en 1931, il y avait eu une inondation. Et on a enregistré 2 millions 72 500 morts. 72,000. Vous voyez des vies humaines fauchées en quelques secondes par une catastrophe naturelle. Plus de 2 millions de morts. More than 2 million of persons. Catastrophe naturelle. C'est un danger. Natural phenomenon. It's Pour fuir. Quand c'est toute votre ville qui est inondée. Où fuir? Il y a le tremblement de terre. We have the earthquake. Tremblement de terre. Earthquake. Béni soit Dieu. Bless be God. Que dans notre pays, nous n'avons pas trop de choses pareilles. Mais en Chine, dans la localité de Shanxi, il y a eu un tremblement de terre qui avait fait 830 000 morts. Which has caused 100 million of 830 000 fauchés. Sans avoir eu le temps de dire au revoir. Without saying the last word. Alors bien-aimé. To the beloved brothers. Having death. Ça, this, c'est une catastrophe naturelle. This is a, nous avons les cyclones que nous ici nous ne connaissons pas parce que nous sommes dans une zone qui n'est vraiment pas dérangée par de tels éléments. Ce sont des vents violents qui viennent en tourbillonnant et souvent aussi accompagnés de grandes et fortes pluies. Nous avons par exemple des cyclones qui frappent souvent les États-Unis et beaucoup de pays occidentaux. Et ce que je peux vous dire ici comme en guise de souvenir, nous avons le cyclone de Bola. Une localité qui a frappé le Pakistan oriental. À l'époque, Pakistan oriental qui est devenu aujourd'hui le Bangladesh. Et on avait enregistré 362 000 morts lors de ces vents violents. Et laissez-moi vous parler des tsunamis. Ce que je n'oublierai jamais. Parce que nous avons un tsunami qui a marqué pour toujours l'histoire. Le tsunami qui a frappé le monde en 2004. Je n'oublierai jamais ce tsunami. Parce qu'à l'occasion de ce tsunami, quasiment à la même date, je venais de perdre un ami très cher. Et donc chaque fois que je pense à cet ami, je pense à ce tsunami. Quand je pense à ce tsunami, je pense à cet ami. Il est mort environ un ou deux jours juste avant. Donc je ne peux pas oublier cet événement de 2004. Ce tsunami-là, c'est une très grande vague violente, mais créée par un tremblement de terre sous-marin. Un glissement de terrain sous l'eau. Ça crée une énorme vague qui peut monter à plusieurs mètres de hauteur et recouvre alors les côtes avec violence et rassemble au passage
and causing a lot of maison, trouble, arbre, et toutes sortes de choses. Et donc le tsunami qui avait frappé la Jude du sud-est en 2004, il a fait 225 500 morts. 225 500 morts. Catastrophe naturelle. Si vous étiez là, vous auriez fait quoi? Regardez les vidéos de ce tsunami. Il y en a sur Internet. Vous verrez même des poissons chercher à vivre. Des êtres marins qui sont habitués à l'eau. Mais là, qui cherchaient le moyen de survie. Amen. Et il y a eu aussi des phénomènes étranges. Lors de ce tsunami-là, des êtres qu'on n'avait jamais vus apparaître morts sur la berge. Dead. Oui. Yes. Il y a même une vidéo bizarre qui défait la chronique. Parce que dans cette vidéo, on voit un être qui a la possibilité d'apparaître et de disparaître. Sortir des eaux lors de ce tsunami, grimper pour monter sur les maisons, il disparaît, il apparaît de l'autre côté. Allez regarder. Et vous comprendrez que nous sommes dans un monde bizarre. Pour vous qui êtes physicien et matérialiste. Et ce tsunami avait frappé donc l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde et la Thaïlande. 225 500 morts. Ils n'avaient pas demandé de mourir. Cela est arrivé juste comme ça. Et malheureusement, ils étaient parmi les morts. Sorry for them because they didn't find death. Ça aurait pu être vous. That would be you. Je ne vous fais pas peur. I'm not being afraid. Mais laissez-moi vous parler sérieusement. But I would like to talk about seriously to you. Parce que peut-être que nous n'en aurons plus l'occasion. Because we're not going to have this opportunity tomorrow. Est-ce que vous savez, do you really know vous, that vous êtes en danger? That you are in danger? Pas ceux de Brazzaville. Not those who are in Brazzaville, vous. But you. Pointe-moi. Amen. Pointe-moi. Nous avons plusieurs dangers ici. We have a lot of dangers here. Que cela plaise aux gens ou pas, je vais le dire. No matter it's going to close persons or not, le premier danger, the first danger, c'est l'océan. It's the sea. La mer. The sea. Le jour qu'il y aura un glissement de terrain sous l'eau, so when ou un séisme, il y aura un tsunami qui va raser tout Pointe-Noire. It's going to bring et ça va commencer par les quartiers de graffinerie. Siafoumou. Tous ces quartiers qui sont au bord des eaux là. Et d'ailleurs, regardez le relief de ces quartiers. Regardez la géographie. Le niveau de sol dans ces quartiers est très bas. Tous ces quartiers seront couverts. Je vous demande de prier Dieu. Pour qu'une telle chose n'arrive jamais. Parce que j'ai l'impression que nous sommes en train de nous y diriger. Priez Dieu qu'une telle chose n'arrive jamais. Vous direz de moi, non, c'est un prophète de malheur. Oui, aujourd'hui, je vous le concède. Aujourd'hui. Je vous l'accorde, dites-le. Yes, mais je vous préviens, parce que c'est un danger. But I am warning you because it's a danger. Et la ville de Pointe-Noire est entourée de pipelines. And we have the pipelines des compagnies pétrolières. Vous les avez partout. Ceux qui habitent Songolo là. Mais il y a des dangers partout. Danger is un jour, everywhere. En cas de problème, nous ne savons pas comment ça va finir. We don't know how it's going to end. Priez Dieu. Let us pray God. Que rien de tel n'arrive. That this such thing may not priez happen. Dieu. Let us pray. Parce que la plupart des quartiers de Pointe-Noire. Because sont the majority très of bas. The quarters are low. Et donc, mes amis.
So, my friends, quand vous dormez et vous vous réveillez, rappelez-vous que vous êtes en danger. Remember that you are in danger. Ne vous faites pas d'illusions. Don't dream. Le sérieux, le sérieux, voudrait qu'on ne reste pas les yeux fermés en disant que ça n'arrivera jamais. The most important thing to do is not saying that this will never happen. Que ce soit vous, que ce soit ceux qui sont en charge de prendre des décisions. No matter those who are charged of taking nous devons tous prendre des décisions qui sont appropriées pour qu'au cas où nous sachions comment nous en sortir. Malheureusement, regardez vous-même. Quand déjà même pour manger, c'est un problème. Comment on va aller s'occuper de toutes ces histoires-là? Allez regarder l'échelle des maisons de Maxwell. Look and see Maxwell. Vous verrez que quand quelqu'un se bat d'abord pour sa survie, il n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. Il abandonne ça plus tard. Mais nous ne savons pas, mes amis. C'est un danger. Et je vous le dis, c'est un danger. Ceux qui étaient en Asie du Sud-Est n'avaient jamais pensé que cela leur arriverait. Le Japon était la deuxième puissance mondiale. Mais ils ont connu un tsunami qui a frappé le Japon, a emporté son économie et a mis le Japon à genoux. Et le Japon était surclassé par la Chine. Elle était reléguée. Pourquoi? Un danger venait de frapper. Ils ne pensaient peut-être pas que ça arriverait. Avec tout ce que nous connaissons comme dégâts aujourd'hui. Il y a aussi les éruptions volcaniques. Eh bien, quand je parle de volcan, là encore, ça vous échappe. Parce qu'à ce que je sache, sauf si j'ai oublié vraiment la géographie du Congo, au Congo, on n'a pas de volcan. Ah, si j'ai oublié le professeur d'histoire, géographie, vous me rappelez. Non, nous n'avons pas de volcan. Mais en Afrique, il y a des volcans. En RDC voisin, à Boma, il y a un volcan. Au Kenya, non loin de la ville de Nairobi, il y a un volcan. We have it. Je suis passé, j'ai vu ce volcan, sa bouche et la fumée qu'elle dégageait. Et tout, il y a un volcan là. J'ai prié en disant à Dieu, Seigneur, fais que il ne se réveille pas pendant que je suis là. Parce que là où j'étais, quel que soit comment je pouvais prendre mes jambes au cou, j'allais être rattrapé par les laves. Et vous devriez entendre que le pasteur est devenu une pierre. Et certains allaient dire, non, Dieu l'a frappé. Comme il avait frappé la femme de Lot. Il y a des volcans ici en Afrique. Il y a eu un volcan en Indonésie. Il existe toujours. Le Krakatoa. Le Krakatoa. Il a fait en 1883. 78 209 morts. 100. Sans compter les habitations. Hein. Parce que les laves coulent, ça rentre dans les habitations. C'est liquide. C'est extrêmement chaud. Et maintenant après, ça se solidifie. Ça devient une pierre, une montagne de pierre. Il n'y a rien à faire, la maison est perdue. Et quand ça rentre, ça rentre par tous les orifices de votre maison. Comme un tout liquide. Parce que c'est très chaud quand ça sort. Et quand ça remplit toute votre maison, après quelques temps, ça se solidifie. Et après, ça se refroidira. La maison-là est devenue inhabitable. Mais sa chaleur dépasse les 5000 degrés.
God is over. Donc, même seulement être à côté, tu brûles. 5, ça ne t'atteint pas, juste à côté. Tu brûles. Even just being next, you're going to the banks. Et ceux qui vont en forêt, those who go to the forest, et qui ont soif, ils veulent boire. And who are mais ne sachant pas qu'il y a un volcan qui est non loin. Knowing that the volcano et qui déjà est en train de déverser un peu de sa substance dans les eaux, dans les fonds marins. Mais tu ne sais pas. You don't know. Tu veux boire. You don't want to tu mets la main et la main et la bouche, tout part. You're going to lose everything, including hand and mouth. Tout ça, this, ce sont des dangers. Il y a les canicules. We have God's ça, on peut en parler. This we can talk about. Nous, nous connaissons les canicules. So we have God's sons. Nous sommes un pays de chaleur. We are an odd country. Un pays de soleil. A sun country. Et là, par exemple, maintenant, and chez now, nous, today, nous entrons dans la période la plus chaude. And we mais ce n'est pas exactement season. La même chose en Europe. That's not the same thing in Europe. Et chez eux, ça sera vers juillet-août. So they're going to have it, right, mais nous, c'est maintenant. August, il fait chaud. Et là, nous sommes dans notre mois le plus chaud. C'est le mois de mars. Le mois où il fait le plus chaud du nord au sud du pays. Et où les températures atteignent les 32, 35 degrés. Ça, c'est au Congo-Brazzaville. Au Tchad, n'en parlons pas. Au Tchad, la température atteint 58 degrés à l'ombre. À l'ombre. C'est pourquoi nos pauvres frères tchadiens sont très noirs. That is why our children. C'est le soleil qui les a brûlés. They have been burnt by the sun. Et ça, c'est une réalité qui est là. This is a reality that we have. Et vous avez à peu près la même chose au Niger. And you have the approximate problem in. Et je crois une partie du Cameroun aussi. And I think the c'est pourquoi, même au Cameroun, vous verrez qu'il y a une différence de teint. Nos frères du Cameroun peuvent en témoigner. Selon la zone où vous êtes, quand vous êtes dans une zone où il fait très chaud, vous serez très noir. Mais s'il fait moins chaud, ça sera différent. Et d'ailleurs, prenons le cas du Congo. Il y a une différence entre le nord et le sud. Au sud, les gens sont plus bruns. Comme notre frère Médard, le Jack là-bas. Par rapport au nord, parce qu'ici, nous avons le vent marin. Même quand il fait très chaud, il y a toujours un vent frais qui souffle là. C'est ça la différence. Mais les canicules sont des vagues de grande chaleur. Il y a des canicules qui sont restées historiques. Ce sont les canicules de 2003. Dans toute l'Europe, ça avait fait 70 000 morts. We didn't have it in Europe. It has caused et beaucoup de vieilles personnes décédées ne supportaient pas la chaleur. Elles mouraient. They couldn't support its hotness. 70 000 morts, 2003. Et nous avons aussi d'autres dangers qui tuent tous les jours, mais les gens ne comprennent pas. Les avalanches, donc les chutes de neige. La neige qui est compactée, quand les skieurs viennent dessus, dérangent cette neige. Alors, il y a une coulée de neige en abondance et en désordre. C'est dévastateur. Vu sa force, sa puissance et sa vitesse, ça tue. Récemment encore au journal, on a annoncé la mort des skieurs. So we have heard. Ils ne comprennent pas. The death of skiers. Ils ne font que mourir. They don't know so far. La mort est partout sur la terre. Death is everywhere on the earth. Il y a les ouragans. We have it, like, même famille que les cyclones. Founders. Il y a les blizzards que nous ne connaissons pas. We have blizzards that we don't mais know. Que William Branham connaissait. Parce que ça frappe en général au Canada. Et au nord des États-Unis, et vous vous rappelez que Frère Branham avait arrêté un blizzard. Eh bien, ce sont des vents du nord très glaciales et qui sont accompagnés de tempêtes. Et ce sont des tempêtes qui sont aussi violentes. Enfin, c'est des tempêtes de neige qui tombent pendant cette occasion-là. Et ça s'appelle des blizzards. Nous n'en avons pas ici. Je prie toujours Dieu que jamais nous n'ayons aujourd'hui, plutôt ici, une neige qui tomberait un jour. Parce que tenez-vous bien,
Nous ne sommes pas un pays de neige. Mais avec les variations climatiques, un jour, brusquement, on pourra se lever un matin et puis tout est la neige partout. On ne sait pas, on ne sait rien. On ne sait pas. Des pays comme le Kenya, en tout cas, ils peuvent connaître ça. Parce qu'en ce moment là-bas, la température est très basse. Même quand il y a le soleil, il fait très froid. Un froid de climatiseur. Même quand il y a le soleil, la température chute jusqu'à 12 degrés en pleine journée. Et la nuit, dans certaines régions, ça va jusqu'à 6 degrés. Et la journée, même quand il y a le soleil, il fait froid. Il faut se couvrir. Et ça, peu importe la saison. Donc, on ne sait pas. Des choses comme ça peuvent arriver dans ces endroits-là. Je pense que quelqu'un a dû me dire que c'était déjà arrivé dans les régions du nord, de là-bas. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Il y a les éclairs. Ça, nous connaissons. Vous connaissez tous le tonnerre. Accompagné des éclairs qui frappent des maisons, déchirent des arbres, font sécher les arbres. Vous le connaissez tout cela. C'est des phénomènes que l'on vit beaucoup plus dans les plaines. Tel que dans les plateaux Bateke. En sortant de Brazzaville, vous avez là-bas une zone de tonnerre extrêmement fort. Et ce tonnerre-là, quand il frappe, je vous dis, vous voyez l'arbre déchiré. Il sèche sur place. Mais ici, nous avons aussi des tonnerres comme ça. Mais le plus souvent, ce sont les manipulations des sorciers. Dans leur règlement des comptes. Contre leurs ennemis. Il y a aussi les guerres civiles. Attendez, les guerres civiles ne font pas partie des catastrophes naturelles. Mais je veux dire qu'à côté de ces catastrophes naturelles que je viens de vous montrer, il y en a bien d'autres que j'aurais pu citer. En dehors des catastrophes naturelles, il y a aussi d'autres dangers comme les guerres civiles. Mes amis, nous sommes en Afrique et nous connaissons ces guerres civiles. Ce ne sont pas des bonnes choses. Chez nous-mêmes, dans notre pays, nous les avons connus. Et vous vous rappelez qu'une bonne génération de Congolais a grandi sans connaître ces choses. Jusqu'à ce que finalement, vers les années 93 ou 90 par là, nous commencions à connaître ces choses. Et d'autres pays en ont fait aussi l'expérience. La RDC, la Côte d'Ivoire, le Centrafrique, etc. J'en passe. Et ça, c'est des dangers qui guettent aussi l'être humain. Nous ne voulons pas de cela. Mais c'est un danger. Et ça reste un danger. Vous avez les émeutes. Les émeutes. Les soulèvements des populations. Parce qu'ils ont été mécontents de quelque chose. Eh bien, ça aussi, c'est un danger. Parce que souvent, ce sont des gens qui n'étaient même pas dans la révolte qui meurent. Des gens qui perdent leur commerce et leurs biens. Ça aussi, ce sont des dangers. Vous voyez que le danger, il est partout. Vous avez les ruptures de relations heureuses. Rupture des relations heureuses. Telles que dans les mariages. À cause des adultères. À cause des phenomènes ethniques. Et ça, ce sont des choses que nous avons connues. À cause des problèmes ethniques. On sépare des couples. Des couples se séparent. Des mariages sont interdits. Ça, c'est à cause de cela. Et à côté de tout cela, vous avez un phénomène grave aujourd'hui. Les maladies. Mes amis, vous savez vous-même qu'à l'heure où nous parlons, les maladies deviennent de plus en plus virulentes. De plus en plus fortes. Et
il y a l'apparition de maladies jamais connues. Et devant lesquelles la science se trouve désarmée. The science doesn't have anything to do. Et même si vous avez votre argent, even though you have good money, il n'y a pas de traitement possible. You don't have any treatment. On vous donne un traitement de maintien. They can give you something that can keep mais il n'y a pas de traitement curatif. Et vous êtes presque condamné à mourir. A fantastic treatment that can mais pourquoi mourriez-vous? But why would you die? Puisque nous pouvons être à l'ombre du Tout-Puissant. Since pourquoi mourriez-vous? In the shadow of the Almighty. C'est la question que Dieu vous pose. This is the question God is asking you. Vous direz, mais pasteur, you're going to say, pastor, il n'y a pas de solution dans le monde. We don't have any solutions in the world. Oui, dans le monde, il n'y a pas de solution. Yes, in the world, we don't have any solutions. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution but du tout. Doesn't mean that we don't have solutions at all. Il y a un autre danger qui devient de plus en plus fort et menaçant de nos jours. C'est le terrorisme. Il ne concerne pas que l'Europe et les pays occidentaux. Il touche aussi l'Afrique. Le Mali a été touché. Le Burkina a été touché. Et d'autres pays en font les frais. Comme le Cameroun. Le Niger. La RDC. Et l'Occident. N'en parlons plus. Quand vous payez le billet aujourd'hui pour aller en Europe, to go to Europe, vous ne savez pas toujours si vous allez revenir. Vous ne savez pas. You don't know. Parce que vous pouvez y rester. Because you can die there. Un jour, one day, il y a eu une alerte à la bombe en France. They have an alert bomb in France. A bomb alert. Et ma soeur m'a écrit pour me dire. And my sister wrote to me saying, tu ne peux pas imaginer. You can't imagine. Je viens de passer devant cette voiture à 17h. I passed away. I was near j'ai eu la chair de poule. I was near that, à 17h, at 5 p.m. elle est passée devant cette voiture. She où il y avait ces choses-là. Where do you have these things? Vous voyez que you see, vous ne savez pas si vous reviendrez ou pas. You will be back or not. Parce que ça ne choisit pas. Qui ça va frapper? Je voudrais vous dire, chers amis, que le terrorisme aujourd'hui est un grave problème dans le monde. Et le terrorisme, ce n'est pas une question politique. Ce n'est même pas une question théologique. Théologique. De religion. Mais c'est une nécessité d'exister. It's the necessity of existing. C'est l'existence même qui est menacée. It's the living of on tue des innocents. On tue des gens qui ne connaissent rien. They kill persons pour des causes tout à fait farfelues. C'est une nécessité d'exister. It's a necessity of imaginez imagine que vous êtes avec votre mari. That you are with vous vous saluez, vous vous embrassez, et il vous dit, je m'en vais acheter du lait pour l'enfant. Il sort en disant au bébé, attends-moi, j'arrive. Et vous apprenez qu'il y a eu un boom là-bas, explosion. Le temps de sortir, votre mari fait partie des morts. Comment vous vous sentirez? How are you going to feel? À peine nous étions ensemble. I was with him just là, il vient de partir. Now he's gone. Vous vous sentirez comment? How will you feel? C'est pour vous dire, chers amis, that's to tell you, que c'est un réel problème dans ce monde. That this is very serious in this un réel problème. It's a serious mais problem. Les terroristes, by terrorists, quand ils frappent, when they do this, ils ne disent pas toujours que nous allons frapper demain. They're not going to alert you. Ils ne disent pas toujours le lieu. They're not going to forestall you about the place. Mais ils aiment les endroits où il y a des foules. But they like the places where they afin de marquer un grand coup.
in order to make a fantastic et ainsi de faire connaître leur, faire leur propagande. In order to make sure et vous voyez qu'après un attentat, ils revendiquent l'attentat. Ils disent, c'est nous qui avons fait tel groupe. This has been done for us. Mais ils revendiquent quoi? Well, la mort des innocents. The death of innocent persons. La mort des innocents. The death of innocent persons. Mes frères, my brothers, nous n'en savons rien. We don't know anything about it. Et ça, c'est un danger. And this is a danger. Il y a une histoire qui ne me quitte jamais. I have a story. Un couple venait de se marier au Canada. Un jeune couple. A young couple getting married in Canada. Un beau garçon plein d'avenir. Une belle jeune fille qui venait de trouver son mari. Et ils décident d'aller passer leur lune de miel à Paris. To go and spend their honeymoon in, to Paris. Ils y vont. Et quand ils arrivent à Paris, ils décident de faire un peu le tour et d'aller dans d'autres endroits. Ils prennent, je crois, le métro ou le train. C'est ce temps-là qu'il y avait des tensions entre la France et l'Algérie. Avec le FLN, il y a eu un attentat à Paris où, dans ce train dans lequel ils étaient, où exactement? Dans le wagon où était le couple, et le couple est mort. In the car that they did have la lune de miel dans la mort. They had a moon in death. Se sont mariés. They did. Ils vont en lune de miel. C'est pour dire adieu à la vie. They go to the honeymoon saying forever to explosion dans un train. Explosion in the train, on the train. Ils ne savaient pas. They did not know que ça pouvait arriver. That this would have ils ne savaient pas come. They didn't que ça know devait arriver. That this alors, je veux vous dire then I want to tell you que le danger est partout. The danger is everywhere. Et il y a des choses sur lesquelles on ne vous dira jamais la vérité. And we have things that you cannot have the truth. Il y a des médicaments qui sont de véritables poisons, we have got, mais qui nous sont vendus. We have got medicines that we have, et quelques temps après, vous apprenez qu'on a retiré ça de la circulation. And a lot of, a few times after we go mais sondez, creusez l'information. Ils étaient au courant il y a longtemps que ça tuait. Mais comme ça devait faire une perte, they did it purposely. Ils ont laissé le stock qui est en Afrique en circulation le temps de ramasser leur argent. Donc nous, nous sommes des cobayes, on peut mourir, il n'y a pas de problème. They take African prisons like animals. Les dangers sont partout. Dangers are everywhere. Est-ce que vous savez do you really know que votre téléphone portable est à la fois un danger et un bien? Is as a danger and as a good thing? Quelqu'un, someone, il prend son téléphone portable, he takes his cell phone, il est dans la voiture, he is in the car, les vitres fermées, et l'appareil est à l'oreille, and he has got et la voiture roule. Here. Voilà une bonne façon de faire pour avoir le cancer. It's the best way to have cancer. Non. No. On ne devrait pas faire ça. No, we les vitres devraient être baissées. Et en parlant pendant que la voiture roule, le téléphone doit être posé quelque part. When you are, et vous mettez le haut-parleur. If you mais want pas à l'oreille. Driving, so you mustn't have your phone. Il y en a qui dorment même avec. Comme un bébé. Like a baby. Il ne reste plus qu'à donner du lait à ce téléphone portable-là. Sans se rendre compte que c'est un danger. Vous savez vous-même qu'avec les pirateries qu'on a ça et là, tu parles au téléphone, il est encore à la charge. Toi, tu dis non, non, je profite de la charge. Allô, oui, allô. Avant de terminer, oui, ça explose. Ça amène toute la joue. Your welfare is going to be destroyed. Tout ça, c'est des dangers. All these are dangers. Il n'y a pas un endroit de la terre où il n'y a pas de danger. We don't have any place in the, on the earth where we cannot have danger. Et chers amis, my dear friends, nous vivons en danger. We are living in danger. Quelqu'un m'avait dit, someone told me, quand vous prenez votre voiture, when you take your car, vous montez là-dedans.
You get on. Et vous vous mettez sur la voie publique. And you start driving the public vous êtes en danger. You are in danger. Et vous mettez aussi les autres en danger. And you put others in danger too. Voilà pourquoi il faut conduire prudemment. That is why, so it's better to drive carefully. Si tu es sous, if you are anybody plein d'alcool, drunk, tu prends le volant. Tu peux mourir, you can die, tu peux aussi tuer d'autres. You can even kill others. Mais la voiture, c'est l'un des éléments les plus meurtriers de la terre aujourd'hui. Combien de gens meurent maintenant, mes amis? My friends, je veux moi vous montrer autre chose. I would like to show you a different thing. Un frère ici à one l'église here, here at church, sont venus me voir. Il dit, pasteur, nous allons faire un tour dans tel village. Pastors, we want to il dit, ok, il n'y a pas de problème. Said, que no Dieu problem. Soit avec vous. Allez-y. With you. Go. Ils sont partis. Then they did go. J'ai senti dans mon cœur que quelque chose n'allait pas. I was feeling something troubling mais in my heart. Il fallait qu'ils y aillent. But they were obliged to go si there. Je leur dis non, if I could tell them, ils ne vont pas trop aimer. They would not laugh. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Then what j'ai I did simplement do? Prié. I did just pray. Je les ai laissés partir. I let them go. Ils arrivent à la hauteur de Inda. When they arrive in Inda, vers l'Nkumbi ou quoi là. Around Nkumbi. Alors ils font un croisement mauvais they didn't have, avec un gros véhicule. Le chauffeur qui conduisait cross, leur moyen, the one was driving the, le temps d'éviter ce gros véhicule, il braque brusquement. Alors leur véhicule fait tourner, ça tourne. Ça roule une fois, une deuxième fois, ça roule, ça roule, ça roule, et ça va tomber quelque part. Le frère, ils étaient deux. Ils sont sortis tous sains et saufs. Et ils m'ont dit, pasteur, à l'instant où le choc devait avoir lieu dans l'accident. Juste avant, il dit, j'ai senti comme si j'étais sorti de moi. Après, dans une fraction de seconde, c'est des moments que nous ne contrôlons jamais. C'est l'accident. Alors ça roule, ça roule, ça roule, et voilà ce qui se passe. J'ai moi-même déjà connu un accident. I didn't have an accident. Et je sais ce qui s'est passé. I know what happened jour-là. That day. Je courais, j'allais quelque part. I was running. Je voulais rattraper je ne sais pas quoi. I was behind à l'instant où l'accident devait avoir lieu, à cet instant-là, je suis au volant, mais j'ai perdu connaissance. I didn't lose my... À l'instant-là. Et dans la fraction des secondes qui venaient, c'était le choc. That was a collision. Ça arrive. That happens. Et si Dieu n'avait pas été là, if God couldn't be there, il n'y aurait plus de pasteur Francis. You wouldn't see Pastor Francis today. Le danger, ça guette tout le monde. Danger concerns everybody. Maintenant, now, suivez-moi bien. Follow me carefully. Quand on est en face du danger, when we are before a danger, l'être humain, the human being, manifeste trois comportements différents. Has got two en face du danger. Different behaviors. Moi, j'appelle ça I call them les trois F. The three F. Imaginez imagine que vous êtes en forêt, that you are in the forest, et brusquement, vous êtes surpris par un animal féroce. Qu'est-ce que vous ferez? What would you do? Fuir. Run away. Non, ça ne serait pas la première réaction. That's not be the same relation. La première réaction de l'être humain, the first reaction of the c'est de se figer. Is il s'arrête. To be stopped. D'abord, il est étonné he is de cette mauvaise rencontre. Ensuite, automatiquement, il se demande, mais qu'est-ce que je vais faire? And then he asks himself, what am et troisièmement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant commencer à évaluer la situation. Donc, il se fige d'abord. Évaluer la situation et voir la décision qu'il faut prendre. C'est la première réaction. That is the first se figer.
Il se fiche. Il s'arrête net. Il ne bouge pas. Et vous verrez que même chez les animaux, il y en a qui font le mort. Those who give death to themselves. Donc il fait semblant de montrer qu'il est mort pour éviter le danger. It has died in order to avoid danger. La deuxième réaction, the second reaction, c'est justement fuir. Is running. Alors, l'être humain peut fuir en se disant, saying, je vais essayer de distancer cet animal. I'm going to be far from this animal. Mais je voudrais vous dire, mes amis, but I would like to tell you, my friend, que même si vous prenez votre jambe au cou, il faut être Carl Lewis, you need to be Carl Lewis pour battre un animal au sprint. Il faut être Carl Lewis pour battre un animal au sprint. Parce que là, l'être humain ne peut pas courir plus vite que l'animal. A man cannot run more. S'il te than veut la peau, if it wants to il veut t'attraper, if it wants to kill tu ne courras pas plus vite. You're not going to flee. Donc avant de courir, sois sûr que c'est la bonne décision. Before running, so you have to be sure that. Parce que les animaux féroces n'aiment pas tout ce qui bouge. Because feral animals don't want everything that. Rappelez-vous que votre adversaire, le diable, remember that rôde. Your opponent, devil. Comme un lion rugissant. Has a lion. Comme une bête féroce. Has a feral beast. La peur. Fear. Parce que la fuite, c'est quoi? Mais c'est la peur, non? Ferocious. Tu fuis parce que tu as peur. Donc quand tu fuis, because you have, you le diable fear. Regarde et dit, il n'y a pas la foi. There's no fear. Il a peur. He's afraid. Celui-là, je vais l'avoir. So I'm going to have him. Et justement, il t'aura. Of course you will have. Parce que tu as peur. Because you are afraid. En fait, de quoi avez-vous peur? What are you afraid of? De la mort. Death. Mais c'est justement de ça que nous avons peur. Of course, this brings. J'ai peur d'être tué. J'ai peur de mourir. J'ai peur qu'il m'arrive malheur. Mais est-ce que vous réalisez aussi que si je suis chrétien, peu importe comment je meurs, ça n'a pas d'importance. Et si je meurs maintenant, à cet instant, à cet instant même, je serai dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est mieux? La présence des hommes ou la présence de Dieu? Alors, je crois que la peur peut commencer à tomber. Tu as peur? Non, on va me tuer. Mais tu mourras toujours un jour. Si tu rates un lundi, ça sera un mardi. Si la mort te rate un mardi, ça viendra un jeudi. Mais si ça te rate en 2017, ça viendra en 2018. La mort viendra toujours. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, la peur de quoi? Le chrétien doit dire, Seigneur, si c'est ta volonté que je meure maintenant, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et ensuite, il peut présenter une demande en disant à Dieu, mais je souhaiterais ne pas mourir maintenant parce que j'ai encore mes enfants qui sont tout petits. Accorde-moi la grâce de vivre encore. Seigneur, délivre-moi. Est-ce que vous voyez la différence? Ce n'est pas la peur. Mais mes amis, mais si je quitte la terre et que je vais de l'autre côté, mais j'ai fini avec les souffrances de la vie, là-bas il n'y aura plus de paludisme, il n'y aura plus de tuberculose. Toutes ces choses n'existent pas. Là-bas, on ne transpire pas pour manger. There, you're not going to get wet. Là-bas, there, pour voir un frère, in order to see a on ne prend pas un bus. You're not going to use a bus. Take a bus. Tu penses à un frère. You think about tu te retournes, il est devant toi. When you, turn back, you see him. Amen. Donc, n'ayez pas peur. So, don't be afraid. La mort n'est pas
mon maître. The death is not my master. La mort n'est pas ton maître. The death is not your La mort master. Est un véhicule. The death is qui vient te prendre pour t'amener vers ton véritable maître. And take you to your master. Ne craignez rien. Don't be afraid. C'est la chose qui doit commencer d'abord à quitter les enfants de Dieu. This is the first thing. Et le prophète Branham dit, la peur est la plus grande malédiction de l'Église aujourd'hui. Les gens ont toujours peur. Il va m'arriver. Ce qui est établi arrivera. Que tu le veuilles ou pas, ça va arriver. Mais ce qui n'est pas établi n'arrivera pas. Et même quand c'est établi, il y a une loi de Dieu qui te donne la possibilité d'arrêter la chose et de la changer. Je peux entendre un amen? C'est là où je veux vous amener. This is where I want to take you. C'est à ce niveau-là que je veux vous amener. This is the level that I want each and one of you to reach. Ézéchias. Le roi. The king. Le prophète Ésaïe vient le voir. The prophet Isaiah came. Et lui dit, roi, him, ainsi dit le Seigneur, so tu vas mourir. The God ce n'était même pas une menace de Satan. C'était un ainsi dit le Seigneur. Dieu lui-même. Ézéchias, tu vas mourir. Donne des ordres à ta maison. Ézéchias écoute le message libéré par le prophète. Il dit d'abord amen au prophète. Amen. Il dit d'abord amen au prophète. Et quand le prophète part, Ézéchias se retourne contre le mur. Et il parle à celui qui avait envoyé Esaïe. Seigneur, je reconnais, j'ai failli. Le péché d'Ézéchias, c'était la négligence. C'est ça que Dieu lui reprochait. Il se repent. Il demande pardon à Dieu. Et il demande à Dieu la grâce de la vie. Esaïe, avant qu'il ne saute la parcelle, l'ange de Dieu l'attrape. Esaïe, arrête-toi. Il dit, oui Seigneur, fais demi-tour. Répare voir Ézéchias et détruis ta prophétie. And destroy your prophecy. Amen. Va détruire ta prophétie. Go and destroy your prophecy. Va lui dire le contraire. Go and tell him the contrary. Mais Seigneur, je viens de dire à peine que. Il dit, maintenant va dire autre chose. Now go and say a different thing. Parce que mon fils a prié. Because my son has prayed. Mon fils a parlé. Mon fils n'a pas tremblé. Mon fils a pris le chemin qu'il fallait. My son has taken the way that I wanted him to. Esaïe revient. Ézéchias, ainsi dit le Seigneur, 15 ans te sont ajoutés. You have 15 years of hiding. Donc il y a ce figé there's en face du danger. In front of, le deuxième danger, F, and the second c'est F, fuir. It's running Mais comme j'ai dit, and as I told you, soyez assez certain de votre sprint, be sure that you're going to, you are a good de votre runner. Force dans le sprint. Be sure that you are a good Et running. À ce niveau-là, step, dans la fuite, you, c'est là où interviennent beaucoup de choses. Je vais y revenir. Troisième comportement, c'est faire face au danger. Vous affrontez le danger. Alors là, il faut chausser ses gants de boxe. Now, pour se battre et affronter fight. Le danger. You need to hold your Mais attention, là, ça risque d'être très sportif. Donc, soyez aussi sûr de votre force dans le combat. Ah, c'est exactement ça. Ça, c'est bien traduit. C'est-à-dire, il faut être sûr de ton coup de poing. So you have to be sure that you're de ta force de frappe. That's your il faut être sûr. Alors, mes amis, then, my friends, dans le phénomène de fuite, concerning running, commençons par le phénomène de te figer. Let's start by the fact of lorsqu'arrive le danger, Well, the danger, il y a des gens becomes, qui se figent tout simplement. Persons who are freezing Et parfois, themselves. Vous les voyez là figés, après ils tombent. Et que fait l'animal féroce? And what il arrive, the ferocious animal il se met à table. Et donc, And then, dans un cas comme celui-là, In the search case, en face du danger, before tu restes danger, figé. You're going to freeze, tu seras vaincu par le diable.
Mais si tu te figes, ça doit prendre juste un court instant, juste le temps de te permettre de voir quelle est la meilleure solution à prendre. Mais ne reste pas indéfiniment sans rien faire. Est-ce que les chrétiens m'entendent bien? Dans la fuite, c'est là où les gens font plein de choses. Il y en a en fouillant qui vont vers les rivières, qui vont vers les arbres, grimpent sur un arbre parce qu'il y a le feu. Il y en a qui vont vers les buissons. Il y en a qui vont dans les caves, dans les grottes. Mais il y en a d'autres qui se disent, ah non, 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 je dois aller à l'étranger. Je quitte le pays. C'est aussi une fuite. Parce que si Dieu avait voulu te placer à l'étranger, tu serais né à l'étranger. Nous sommes d'accord. Mais Dieu t'a placé ici parce qu'il trouvait que c'était le meilleur endroit qu'il fallait pour que tu rencontres le message et que tu sois dans l'épouse. Et maintenant, quand il s'agit de faire face, là encore, il y a d'autres comportements qui se manifestent. Il y a des gens pour faire face au danger, à la difficulté qui est en face de lui. Il fait quoi? Il va voir des féticheurs. On lui fait des gris-gris. On prend l'os d'un poulet que le féticheur venait de manger. Il a sucé. Il prend, il met dans des feuilles. Il fait des grimaces. Et il te dit, voilà, c'est ça qui va te protéger. Ah. L'os d'un poulet. Même dans la maison, quand vous mettez ça, passez deux jours après, la souris a commencé à se servir. Et il ne meurt pas. Et c'est ça qui va vous protéger. Amen. D'autres mettent autour de la taille. Il y a un coquillage. Le coquillage qu'on a ramassé au bord de la mer, là, c'est ça qui va te protéger. Il y en a qui portent ici au cou la dent d'un gorille. La dent là, le gorille mort là. C'est ça qui va te protéger. This is going to bring protection on you. Il y en a qui vont voir des magiciens. And we have with others, we alors vous le voyez le soir. And you see them, ils tracent un cercle. And they're going to have a cycle. Fait des dessins bizarres à l'intérieur. Et il rentre au centre. Il s'assoit en tailleur. Alors il dit, ah, là, and he says himself, là ça va. Now it's okay. Le diable fera ça. The devil will see it. Quand je suis arrivé nouvellement à Pointe-Noire, when I was a new one in Pointe-Noire, l'un des premiers cas que j'ai traité, one of the first cases that I didn't have, on m'amène une soeur. C'est when un ami pasteur qui m'amène cette soeur. Elle souffrait d'un problème de mari de nuit et de perte de sang sans arrêt, comme la femme qui avait la perte de sang de chez elle. Quand les règles commencent, ça peut faire 2 mois, 3 mois, ça ne fait que couler sans arrêt. Et mari de nuit, toujours, ils ont tout essayé, ça n'a rien donné. Quand moi j'arrive à Pointe-Noire, elle était internée dans une église, je tais le nom. She was in one church. Les églises ont inventé beaucoup de choses. Hein? Churches have created. Il y a même des internats pour malades. And they have got places that they have. On n'a plus besoin des hôpitaux, c'est maintenant les églises. So we don't need. Donc elle était internée là-bas. On a mis une cuvette, on a mis l'eau, des bougies, tout ça. And, le soir même où elle rentre là-bas, on a fait tous ces grimaces là. Le même démon qu'il avait attaqué pendant des années est rentré dans l'église, est venu se servir et finit les parties. Le matin, le pasteur de l'église vient trouver la sœur en train de pleurer. C'est alors que on va m'amener cette sœur là. Elle arrive, il dit, ma sœur, ici il n'y a pas de grimace.
n'y a pas de seau pour mettre de l'eau, il n'y a rien. Mais je te dis, puisque ton pied est arrivé jusqu'ici, ce problème est terminé. Elle me regarde. J'ai dit, je répète, comme tu es arrivé jusqu'ici, ce problème est terminé. Et je lui donne un témoignage. Si tu es tombé malade, tu as tourné les églises dénominationnelles, ça n'a pas marché. Tu arrives au message, tu n'es pas guéri, c'est que tu mourras. Mais comme tu es arrivé ici, tu vas vivre. Je prie pour elle. Elle quitte. Il dit, pasteur, est-ce que je peux repartir? Repars pour toi. Quand elle me quitte, là, elle repart. Le sang s'arrête le même jour. Marie de nuit finit le même jour. Le pasteur qui l'avait amené me ramène le témoignage. Il a dit, allez bénir Dieu. Moi, je n'ai fait que faire le travail. Ce n'était pas moi. C'est lui qui l'a fait. De quoi est-ce que je veux parler? Je veux parler de ce que vous savez. Pas d'une imagination. Parce qu'on ne peut pas faire ça. Si on imagine, j'arrive dans la ville de Owando. I arrived in Owando. Une jeune femme très belle. A young, beautiful, très belle. Une enseignante. She was a teacher. Elle venait de divorcer avec son mari, ça faisait à peu près 6 mois. She was divorced, son mari n'avait pas accepté ce divorce. Et ne supportait pas cela. Et avait donc décidé de rendre la vie difficile à cette femme pour qu'elle ne se marie plus. Qu'est-ce qu'il fait? Lui n'envoie pas de mari de nuit. Il envoyait une pluie de pierres. Donc la sœur, où qu'elle peut se trouver, il y a une pierre qui quitte le ciel qui tombe. Tombe autour d'elle. Partout, à l'école, au travail. Elle était enseignante. Dans la classe, ça tombe devant les élèves. À la maison, ça tombe. À l'église, ça tombe. Dans la rue, ça tombe. Ça quitte le ciel, ça tombe. Ça quitte le ciel. Donc c'est une pluie de pierre. Maintenant, un jour, c'était tellement trop. Elle était dans une dénomination. Ironie du sort. Le pasteur de cette église, je t'ai le nom. Sa maison était face à face de la maison du pasteur de l'église du message. Que moi j'étais parti remplacer à Owando. Donc un jour, c'était grave. La sœur se disait, je vais mourir. Elle fuit la maison. Elle va chez son pasteur. Quand elle arrive chez le pasteur, la pierre tombe entre elle et le pasteur. Le pasteur lui dit en face, ah sœur, moi aussi j'ai peur. La sœur dit, frère, au nom de Jésus. La sœur dit, mais moi j'ai fui chez le pasteur parce que c'était ma seule solution. Mais lui me dit qu'il a peur, lui aussi. Qu'est-ce que je vais devenir? Elle hésite d'abord. Mais là en face habite le pasteur du Dieu vivant. C'est comme ça qu'on nous appelle. C'est eux-mêmes qui disent ça, c'est leur témoignage. Qu'est-ce que je fais? Alors elle s'est éclipsée. Elle a trouvé une occasion de venir me voir. Elle arrive. On lui dit, le pasteur n'est pas là. D'abord, bon, est-ce que je peux l'attendre? Ah, on n'est pas sûr qu'il vienne maintenant. Frère, donnez-moi seulement la chaise. La sœur ne pouvait plus repartir. Elle s'est dit, comme moi je suis arrivée ici, je reste. Elle s'est assise là. Elle attendait. Je ne quitte pas ici. Je suis rentré à 21h. Parce que j'avais un autre travail que je faisais pour quelqu'un qui avait aussi un problème de santé et les hôpitaux n'avaient rien pu faire. Donc je rentre tard. J'arrive, je viens trouver quelqu'une assise là. J'ai salué. Bonjour ma soeur. Je rentre pour moi. Quand je rentre, ceux qui habitaient avec moi me disent, pasteur, la soeur ici t'attend. Comment ça? Elle ne pouvait pas me voir un autre jour. Non, non, non. Elle n'est pas de l'église. Elle est d'une autre église. Elle est d'eux. Elle t'attend. D'accord. Je sors. Je salue la sœur de nouveau. On prie un petit moment. Elle m'explique. Voilà.
Là, j'étais chez le pasteur. La pierre est tombée entre moi et le pasteur. Le pasteur a dit qu'il avait peur. Alors, je n'avais pas de choix. J'ai décidé de venir ici. Je la regarde et je lui dis, comme ton pied a touché le sol de cette parcelle, ce problème-là est terminé. Elle me regarde encore. Elle dit, ma soeur, je ne te flatte pas. Cette affaire-là est finie. On arrête ça aujourd'hui. Prions dans la cour. Là, prie pour elle. Des sœurs, en tant que serviteur de Dieu, je te le dis, crois-moi, rentre. Si la pierre tombe encore, je suis un faux pasteur. Elle est partie. En guettant, si une pierre va tomber. Jusqu'à la maison. Premier effet, la pierre n'est pas tombée. Elle rentre. Elle se disait peut-être que toute la nuit, rien. Le lendemain, rien. Le surlendemain, rien. Elle va à l'école, rien. Au marché, rien. Elle est revenue me voir. Et elle m'a dit, pasteur, je quitte la dénomination. Je viens prier chez vous maintenant. Je lui dis, je ne te force rien, c'est toi-même. Il dit, pasteur, c'est mon cœur. Là-bas, on avait peur, non? Je préfère être ici. Je vous montre quoi? Suivez-moi bien. Regardez ce que je dis à cette femme. Comme ton pied a touché le sol de cette maison, cette affaire est terminée. Attendez, je ne vais pas loin. Dans ce tabernacle, j'ai eu un cas. Un frère qui était marié avec une femme, pas d'enfant, il divorce. Prend une autre femme, pas d'enfant. Il prend une autre femme encore, toujours pas d'enfant. On dirait que ce n'est pas les femmes. Ça, c'est un autre problème. Alors il s'est mis à chercher. Ça faisait des années. On l'a présenté à moi. Et on l'amène chez moi. Il arrive à la maison. M'explique son problème. Je le regarde et je lui dis, comme ton pied a touché le sol de cette maison, cette affaire est terminée. Tu auras un enfant avec la femme qui est chez toi là. Ne la répudie pas. Je dis, donne-moi ta main. Je prends sa main. Je prie. Même pas une minute de prière. On termine. Il rentre. Dans les mois qui suivaient, la femme est enceinte. Elle a mis au monde. L'enfant vit jusqu'à aujourd'hui. Je vous montre quoi là? Vous voyez, ça fait plusieurs cas. Qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre qu'il s'agit de savoir de quoi vous parlez. Il ne s'agit pas d'imaginer. De quoi parle-t-on? Eh bien, il s'agit de quelqu'un qui sait qu'il est à l'ombre du Tout-Puissant. Quel que soit le danger qui est là, mes amis, je vous ai parlé des dangers qui entourent la terre. Mais si vous êtes à l'ombre du Tout-Puissant et vous le savez, je dis, vous le savez. Attention. Je n'ai pas dit, et vous l'imaginez. Je n'ai pas dit, et vous l'espérez. Je dis, et j'aurais dit, et vous le savez. Je reviens. Regardez, j'ai un vêtement sur moi. Si vous me demandez, pasteur, est-ce que vous avez un vêtement sur vous? Je vous dirai oui. Vous pourrez demander, comment le savez-vous? Je sais que j'ai un vêtement parce que je le sens sur mes épaules. Et je peux le toucher. Mais pasteur, comment toucher ce que vous dites là? Parce qu'on ne le voit pas. Ah bon? Vous ne croyez que ce que vous voyez. Ça, c'est la génération méchante et adultère qui fait cela. Pas les fils de Dieu. Dites-moi, mes amis. Vous croyez en l'existence du vent? Le vent. Il existe, oui ou non? Mais est-ce que vous le voyez? Vous pouvez le toucher.
Mais pourquoi vous croyez qu'il existe? Ah, vous le sentez? Alors spirituellement, moi aussi, je sens que je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Je prends un autre exemple. I'm going to take another example. Moi, je ne suis pas pressé. I'm not in rush. Nazomi m'a bien donné adoption. I'm taking you to adoption. Si vous n'avez pas compris, c'est là où je vous amène. I'm taking you to adoption. Parce que quand j'enseignerai sur ça, ces choses auront déjà été précédées. Because when I c'est ça mon problème. Adoption, all these things donc, will be regardez. Known for all of you. See, il vous arrive d'avoir un pressentiment. You often have a feeling, et vous dites, and you say, oh, on dirait que maman va arriver. That will, elle arrive. Mom is coming. Et certains disent, and some mon petit doigt me dit que maman arrive. My small finger telling ça, c'est une façon de parler en français. Mon petit doigt me dit que maman arrive. Speaking in French. Et après, c'est maman qui arrive. Les autres disent, toi tu es un sorcier. Hein? Comment tu savais que maman arrivait? Non, je ne l'avais pas vue. Elle ne m'avait rien dit. Mais quelque chose en moi me disait que maman était en train d'arriver. Je ne pouvais pas l'expliquer. Je ne pouvais pas toucher cela. Je le sentais. Et puis je le dis. Maintenant là, vous devez savoir que le Dieu dont nous parlons, il n'est pas loin de vous. Il est juste là à côté de vous. Amen, amen. Je vais plus loin. I'm going far. En fait, Dieu n'est pas à côté de vous. God is next to you. Mais il est en. But God is in. Amen. Je vais plus loin. I'm going far. Je vais plus loin. I'm going far. Je vais plus loin. I'm going far. En fait, Dieu in fact, God est plus proche de vous that is near que ne l'est votre bras. That is your hand. Quelqu'un dit amen. Someone say amen. Votre bras your hand est hors de votre corps. Your hand is out of your body. Il est à l'extérieur. Mais Dieu but God est à l'intérieur. Is in your body. Maintenant, écoutez bien. Now, que vous soyez un vieux, un jeune, man, un adulte, man, un enfant. Je voudrais vous dire que cette puissance d'en haut habite au-dedans de vous. Et vous êtes terrible. Quelqu'un dit amen. On ne doit jamais jouer avec vous. Les sorciers de votre famille n'ont qu'à faire gaffe. N'ont qu'à faire attention. Parce que vous êtes terrible. Je demande au diacre de ne pas me couper, pardon. Vraiment, au nom de Jésus. Pardon, me coupez pas d'abord. Ne venez pas me mettre un papier pour dire qu'il est temps. Il faut que je dise ceci. I have to say this. Amen. God be blessed. Si les enfants de Dieu ratent ça, c'est vous. Écoutez bien. Cette chose-là dont je parle doit maintenant être une réalité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut habite à l'ombre du Tout-Puissant. L'abri du Très-Haut, c'est ça la zone de sécurité. C'est sa maison. C'est le Christ lui-même. Si je demeure dans cet abri, ça veut dire si je suis né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, et j'habite dans cette maison. Maintenant, si je suis né de nouveau, alors moi,
Je suis assis à l'ombre d'un gros arbre. L'arbre là s'appelle Jéhovah. À l'ombre de cet arbre là, le soleil ne me frappe pas. Il n'y a pas de dérangement. Je suis calme. Je suis au repos. Je reçois l'air, le vent qui me rafraîchit. Et je dois vous dire, chaque fois que nous échouons, chaque fois qu'une prière n'est pas exaucée, c'est uniquement lorsque nous sommes perturbés et que nous pensons que Dieu n'entend pas ou qu'il faut crier pour qu'il entende. Ce n'est pas nécessaire. Dites-moi, si vous allez voir le roi ou le président en audience, vous allez crier. Monsieur le président, je suis venu. Et avant de finir tes phrases, les gardes viendront te prendre. Je vais passer quelques jours là-bas à l'ombre pour voir si le président s'y trouve. Mais quand on vient devant le président, on est calme. When they come in front of the president, on commence à arranger ses habits. They start making everything in order. Et on parle. And they speak. Votre Excellence. Là, on choisit même les mots, hein. Excellence. Votre Excellence. My Excellence. Je viens. I do come. Vous voyez? On choisit même les mots. Et avec Dieu, c'est pareil. Prenez un enfant qui demande une chose à son père. Il arrive, il prend son chapeau, il le tourne vers l'arrière. À la bouche, il a dit chewing-gum. Il arrive, papa, mon argent. Ça, c'est un yanka préparation. C'est un yanka en herbe. L'enfant qui demande à son père, il est comme ça, papa. L'enfant, mais papa, something. Comment? Father, mais tu m'avais dit, non? Tu avais promis, non? Qu'est-ce qu'il fait là? J'avais dit, j'avais promis. Il fait quoi? Il rappelle des promesses. He is remembering the promises. Mais l'enfant en question, notez bien, quand il parle, il sait que papa est en train de m'écouter parce qu'il le voit. Il peut même le toucher, comme certains enfants qui jouent avec leur père. C'est comme le petit Marion, malgré son âge là. Lui, malgré son âge, quand je lui fais quelque chose de bien, il saute sur mon cou. Bon. Je ne peux pas lui refuser ça. C'est son droit aussi, non? Maintenant, nous aussi, nous devons sauter au cou de Dieu. Alléluia! Écoutez-moi bien. Écoutez mon âme. Écoutez bien. Je viens de parler. Je vais asseoir, cristalliser ça. Je recite l'écriture. Verset 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut habite à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alors, gardez-moi ce texte-là à l'écran. Vous regardez. Combien de fois on a utilisé un titre de Dieu dans ce texte? How many titles do we have of God? Regardez. Look. Il y a combien de titres, de noms possibles qu'on a donné à Dieu dans le texte? Les deux versets. These two verses. Regardez. See. Vous arrivez à voir? You can see. Je vous aide. I'm helping you. Il n'y a pas de problème. No problem. C'est lui qui demeure he will dwell sous l'abri du Très-Haut. Place of the Most High. Il y a Très-Haut. Most High. Un. One.
repose à l'homme du Almighty. Je dis à toi, mon refuge et ma forteresse, mon 4, en qui je me confie. 4 fois. Et la chose se trouve dans le livre 4e des Psaumes. Le 4 qui renvoie à la délivrance. Et vous n'avez que 4 titres de Dieu là-bas. Alors regardez. D'abord, vous avez très haut. C'est le tout premier. Hein? Ensuite, vous avez quoi? Tout puissant. En troisième lieu, vous avez l'Éternel. The Lord. Éternel. The Lord. Et enfin, finally, vous avez Dieu. God. 4. 4. Mais ne passons pas vite. Let us not be fast. Parce que là, c'est le socle de la révélation. This is the basis of the revelation. C'est quoi le Très-Haut? What is the most high? C'est quoi le Tout-Puissant? What is the Holy Mighty? Pourquoi Dieu est-il appelé l'Éternel? Why is God called the Lord? Et pourquoi l'appelle-t-on Dieu? And why is he called God? Si vous saisissez ceci, if you take what I'm going fini. To say today, everything will be over. Je dis bien, c'est fini. I'm saying that's all. En vous exerçant là-dessus, if you exercise yourself on it, il n'y a aucun sorcier, no witch, aucun magicien, no magician. Personne ne vous mettra à terre. No one will bring you down. Je vous le garantis. Quel que soit le problème, que ce soit avec un être humain, avec un animal, avec les démons, ou même avec la nature, dans le cas des catastrophes naturelles, rien ne vous pliera. Rien ne vous mettra à genoux. Commençons par le Très-Haut. Let us start with Most High. Je vais dans Genèse chapitre 14. Going in Genesis, le verset 19. Chapter 14, verse 19. Je préfère le lire dans la Bible pour que vous voyiez. Que vous compreniez. So that you may understand. Et que la vie vienne. And may life come. Regardez ça. Look at this. Il bénit Abraham. He blessed Abram. Et dit. And said. Béni soit Abraham. Blessed be Abram. Par le Dieu très haut. Of God most high. Continuez. Hello. Vous avez bien lu? On a dit. You said. Le très haut. C'est celui qui est le maître du ciel et de la terre. Autrement dit, celui qui règne sur toutes choses. Et c'est à son ombre que vous êtes. Sous sa protection. La protection de qui? De celui qui règne sur tout. That reigns over. On n'a pas dit maladie. We didn't say sickness. On n'a pas dit seulement ceci ou cela. We didn't say only this or that. Mais toutes choses. All things. Donc même dans vos affaires. Even in your... Vous êtes coincé. You are stuck. Vous pouvez appeler Dieu. You can call God. Un frère. One brother. Soutenait l'œuvre de Dieu dans une église dont je tais le nom. Was supporting the work of God. Il avait une usine qui fabriquait des saucissons. He didn't have a sausage firm. Avec l'argent. Un, lui, il payait sa dîme. Deux, son entreprise payait sa dîme. Trois, il soutenait spécifiquement l'œuvre de Dieu dans les voyages missionnaires de son pasteur.
his pastor. Alors, then, quand les gens ont vu que ces saucisses marchaient, one person saw that, his business un concurrent a fait une usine pareille. One guy come and il vient mettre cette usine en face de l'usine du frère. And one come and put et soudain, la compagnie du frère a commencé à connaître, à prendre de l'eau. Then suddenly he did have trouble. Ça commençait à décliner. Les choses ne marchaient plus. Persons parce que le gars qui s'était installé en face avait cassé les prix. Le frère est allé devant Dieu. Seigneur, j'ai commencé cette œuvre et j'avais fait une promesse. Je devais soutenir ton œuvre. Et je n'ai jamais manqué de payer une seule dîme. Je n'ai jamais manqué à mes rendez-vous avec toi. Maintenant, regarde. La concurrence me met à terre. Où es-tu? Fais quelque chose. Et finis de prier. Dans la semaine qui suivait, un incendie se déclenche dans l'autre usine. C'était un incendie, ça a tout cramé. L'usine est tombée à fermer. Le frère est remonté. Le très haut, celui qui règne sur toutes les choses. Que ce soit les mariages, le travail, les soucis de la vie, quel que soit le problème. Oh non, au boulot avec les chefs, ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui est le maître de toutes choses. Je répète encore, ton chef là n'est qu'un homme. Il y a un passage de la Bible qui dit, les désirs sont nombreux dans le cœur d'un roi, mais Dieu les oriente où il veut. Donc vous avez la possibilité de changer plein de choses. Mais vous devez savoir que celui que vous appelez, il est le maître de toutes choses. C'est pourquoi on l'appelle le Très-Haut. Il n'y a donc pas sur la terre une situation qui peut échapper à Dieu. Je peux mourir aujourd'hui. Je peux mourir demain. Je peux connaître une difficulté. Mais ça ne change pas ceci. Parce que toute chose qui nous arrive, c'est le plan et la volonté de Dieu. Et derrière ça, il y a toujours un enseignement de Dieu qui vient pour nous tailler, pour nous parfaire, afin de notre rentrée au ciel. Voilà ce qu'il en est. Le Très-Haut. J'insiste. Le maître de tout, hein? Le maître de toutes choses. Il y a un homme de Dieu dans l'histoire. Il faut maintenant m'en parler, j'ai oublié son nom. Ça doit être, Saint-Patrick d'Irlande, je pense. J'ai oublié le nom de la personne. J'espère bien que c'est celui-là. Il avait demandé une audience auprès du roi ou du gouverneur. Le gouverneur dit, moi je n'ai rien à foutre avec ces chrétiens. On a quand même persuadé de le recevoir. En général, lorsqu'il recevait les gens, il se levait pour les saluer. Quand le serviteur de Dieu arrive, il n'a même pas osé se lever pour le saluer. Frère Branham dit, Dieu était obligé de le faire à sa place. Il a envoyé des piquants sur le siège. Et il s'est levé devant le serviteur de Dieu. C'est Frère Branham qui dit ça. Le maître des circonstances. Toutes choses. Prenons le Tout-Puissant. N'oubliez pas. Je répète. Toutes choses. C'est-à-dire même si tu vas dans un village. Et on a dit que dans ce village, il y a vraiment des sorciers. Toi, tu n'es qu'une petite sœur. Ne t'en fais pas. Vas-y.
quand tu vas arriver, les sorciers vont toujours venir essayer. Le matin, tu vas voir les gens commencent à passer. Au lieu de passer dans la cour, ils dribblent dans le coin. Parce qu'ils avaient essayé. Après, ils disent, moi, je suis sorcier. La pauvre vient d'arriver. Elle a fait quoi à qui pour être sorcière? Suivez-moi bien. Nous prenons le Tout-Puissant. Amen. Alors, je prends le prophète directement dans la brochure. Écoutez bien. Le Tout-Puissant, c'est ce qu'on appelle encore en hébreu Shaddai. Permettez que j'écrive ça pour vous. En hébreu, on dit Shaddai. Avec deux fois la lettre D et A, itrema. Ici, parfois, on met un C avant. Parfois, pas de C. C'est la même chose en hébreu. Shaddai. Maintenant, attention. Quand maintenant, on veut dire le Dieu tout puissant, c'est là où on dit maintenant El Shaddai. Vous arrivez? El veut dire Dieu. E-L. Donc, El Shaddai. C'est le Dieu tout-puissant. Mais tout-puissant seulement, c'est Shaddai. En fait, c'est Shaddai. Voilà ce qu'il en est. Prenons ça dans le prophète directement. Dans la prédication, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Je vais terminer bientôt. Prêcher le 1er octobre 61, paragraphe 155. Non, paragraphe 155. Il nous dit, je suis le Dieu de tes pères. I am the God of your fathers. Je suis le Dieu de l'éternité. I am the God of eternity. Je suis El Shaddai. I am El Shaddai. Je suis le sein. I am the bosom. Je suis la poitrine. I am the breast. Je suis celui qui donne la force. I am the strength giver. Peu m'importe combien tu es vieux, Abraham. All you are. Qu'est-ce que ça fait pour moi? Words to me. Peu importe combien tu es stérile, ou combien son sein est stérile, je vous donnerai un fils. Et Abraham a dit, je te crois, mon Dieu. Et il a crié, Alléluia. Abraham dit, Alléluia. El Shaddai. Je suis le saint. I am the bosom. Je suis la poitrine. I am the breast. El Shaddai. El Shaddai signifie means le Dieu qui a des mamelles. You are the God who has the bosom. C'est pourquoi il parle de poitrine. That is why you have the je suis la poitrine. I am the breast. En d'autres termes, in other words, je suis celui qui donne la force. I am the one who gives strength. Le lait de la mère. The milk. Le lait venant de la poitrine de la maman donne la force à l'enfant. Quand tu as perdu toute force, tu as perdu le courage, tu es découragé, voire démoralisé, tu es triste, abattu, et tu es abandonné à toi-même. Il y a quelqu'un qui ne t'a pas abandonné. Il y a quelqu'un qui est juste à côté. There is someone who is next to you. On l'appelle El Shaddai. We call him El Shaddai. Le grand El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. God Almighty ne t'abandonnera pas. Will never forsake you. Et dans le cas d'Abraham, il y avait un problème en arrière-plan. They didn't have one problem. C'était quoi? What is that? La stérilité de sa femme. Sterility of, sa femme ne mettait pas au monde. Abraham vieillissait. Sa femme aussi. Et Abraham foyait.
son trésor qui va aller entre les mains des étrangers. Parce que la plupart de ses serviteurs n'étaient pas juifs. C'était des Égyptiens. Comme Agar, la servante de Sarah, qui n'était pas juive, mais égyptienne. Et Abraham dit, celui qui pourra hériter de ma maison, ce sera Eliezer. Mais il n'est pas né de ma maison. Il n'est pas né dans ma famille. Qu'il soit juif ou pas, mais comment ferais-je? Je n'ai pas d'enfant. C'est là que Dieu se révèle à lui. Comme le grand El Shaddai. Quelque chose me dit d'appuyer là-dessus. Il y a un problème par là. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Abraham devenait vieux. Sarah était vieille et avait passé l'âge de mettre au monde. Dans un autre langage, en français, on va dire que Sarah s'était desséchée. Oh, il arrive dans la vie que vous vous mettez à dessécher. Vous commencez à sécher. Vos affaires sèchent. Vos affaires meurent sous vos yeux sans que vous ne soyez capable de faire quoi que ce soit. Without being capable of doing anything. Quand arrive la sécheresse, when the drought comes, que fait la feuille? La feuille cesse. The leaf is elle sèche. Elle perd la vie. She's going to lose. Et dès everything. Que vous touchez, ça s'effrite. Vous touchez, ça s'effrite. Donc il n'y a pas un endroit qu'on peut sauver. Vous voulez sauver tel secteur, ça aggrave le problème. Vous voulez sauver ceci, ça aggrave le problème. Ce n'est pas vous qui devez agir en ce moment-là où tout s'est desséché. Parfois, il y a une plainte quand tu vois la police. Plainte à la gendarmerie. Plainte au tribunal. Il y a des plaintes partout. Votre femme vous quitte. Vos enfants vous abandonnent. Vos plus proches amis disparaissent. Que faut-il faire? Vous avez besoin d'un Dieu qui a des mamelles. C'est là que Dieu descend et intervient en tant que El Shaddai. Vous le connaissez vraiment? Attention, mes amis. Ne parlons pas de Dieu en l'air. Vous risquerez de le juger en l'air. Je parle d'un Dieu réel, sérieux. On l'appelle El Shaddai. Quand tout a séché, tous mes espoirs se sont évanouis. Je n'attends plus rien. Mais là, El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Quand je ne sais plus quoi faire, je tourne à droite, porte fermée. Je tourne à gauche, porte fermée. Je vais devant, porte fermée. Je vais derrière, porte fermée. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre à faire? Regardez. Je tourne à droite. Je tourne à gauche. Je tourne derrière. Je regarde devant. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je dois lever la tête vers le haut et appeler le grand El Shaddai. Oh Dieu! Oh God! Ne traitez pas des gens de magiciens. Si vous ne voulez pas apprendre ces choses et les appliquer, vous voyez les autres avancer, avancer, avancer. Vous n'en savez pas le secret. Et vous parlez de magie. Il n'y a pas de magie. C'est l'adoption. Je sais. Je sais. Il y a un mystère dans cette phrase. Je sais. Tu sais quoi? Est-ce que tu peux dire je sais? Alléluia. Pas je pense savoir. Non, je sais.
nom. Seigneur, donne-moi la voix d'un archange. Donne-moi la voix d'un archange. Afin qu'ils entendent ce message. Et là, quelle que soit la chose demandée, vous la voyez. Si vous ne la voyez pas, c'est que Dieu est mort. Il n'est pas mort. Pasteur, je cherche du travail. Tu cherches du travail? Attends, on arrive. On était à Tout-Puissant. Prenez l'autre, l'Éternel. Là encore, on ira au pasteur. Mais je sais, l'Éternel. Tu sais? Regardons d'abord ça de près. Savez-vous qu'au départ, on n'appelait pas Dieu l'Éternel? On disait seulement Elohim. Ce qui a été traduit dans notre Bible en français par le mot Dieu. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu. C'est ça qu'on dit. De l'hébreu en français. Mais entre-temps, on ne disait pas l'Éternel. On a commencé à dire l'Éternel quand? Il faut partir de là pour saisir pourquoi cet homme s'appelle l'Éternel et ça changera tout. Alors je vous le dis tout de suite, puisque je m'apprête à terminer. Le mot éternel a été utilisé dans la, lorsque Dieu faisait alliance avec Moïse. C'est à cette occasion-là qu'il va se révéler à Moïse comme étant l'éternel. Il y a deux passages clés. Je vais vous les donner. Mais moi, je vais lire le second. Là où ça se passe. Le premier passage, c'est Exode 3. Le verset 12. Vous pourrez regarder à la maison. Mais moi, je vais lire le second passage. Exode 6. Verset 1 à 3. Alors, je vais prendre ce passage à l'écran. Et vous allez voir ce que ça donne. I'm going to take it from oh mon Dieu. Oh my God. Exode 6. Exodus 9. Oh Seigneur. Oh Lord. S'ils peuvent seulement comprendre, tout va se finir. Les diacres auront du repos. Vous serez prêts pour l'enlèvement. We will be ready for the rapture. Regardez ça. Exode 6, verset 1 à 3. Exodus chapter 6. L'Éternel dit à Moïse. Lord said là to Moses, qu'il se révèle à lui comme l'Éternel. Tu verras maintenant. Now you will see. Pardon, je m'arrête un instant là. Gardez l'écriture à l'écran. Pardon. Pardon. Sorry. Nous sommes à l'UPR. Hein? À l'université de la parole révélée. Ne passons pas vite. En général, dans un texte biblique, chaque fois que Dieu apparaît sous un titre donné, cela signifie que tout ce qu'il va dire là en bas est en rapport avec ce titre-là. C'est pourquoi dans les âges, quand il envoyait des lettres à chaque âge, il donnait à cet âge ses propres titres à lui, qu'il devait manifester dans cet âge-là. Vous êtes avec moi? Maintenant, reprenons la lecture. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je, pronom personnel, pronom, c'est le français, non? Ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera. He will let
let them aller, laisser aller. Go. Une main puissante. A strong le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et dit, je suis. Oh Dieu, je suis l'Éternel. C'est une signature. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu. To Abraham, to Isaac, and to Jacob, as God Almighty bites by my name. Mais, but je n'ai pas été connu de sous mon nom l'Éternel. But by my name, the Lord, I was not known to them. Je rends les choses simples pour vous. C'est ça le rôle du coach. Comment vous appelez l'enseignant ou l'entraîneur? C'est le coach, non? J'utilise vos mots. Je rends les choses simples pour vous. Dans la Bible, le mot éternel, dans certaines traductions bibliques, on met tout simplement le mot Seigneur. Ce qui veut dire le maître. Le master. Le maître. Non, pas l'enseignant. Longuissi, c'est l'enseignant. Je dis le maître. Ah! Amen. Parce que là, on ne doit pas rater ça. We voilà ce qu'il en est. This is what it's about. Il forcera. C'est-à-dire, même si la situation que tu as est compliquée, even if your situation is on a tout fait, you have done ça ne donne rien. Any solution. Tout le monde dit, everyone tu vas mourir. Tout le monde dit, ça ne marchera pas. Tout le monde dit, tout le monde dit, maintenant, arrêtez d'écouter ce que les gens disent. Appelez l'Éternel. Okokufa, Okokufa, Okokufa. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Dis aux gens, je mourrai un jour, mais pas avant que l'Éternel ne l'ait permis. Mais ta maladie. Non, je corrige. Ce n'est pas ma maladie, mais je souffre d'une maladie. Si tu veux que ce soit ta maladie, c'est ton affaire. Moi, ce n'est pas ma maladie. Je refuse cela. Quelqu'un peut dire amen? C'est-à-dire que maintenant, pendant que je parle, tu peux te lever, abandonner cette maladie et rentrer guéri. S'il y a quelqu'un qui a assez de foi là, s'il y a là quelqu'un qui n'a pas peur, il peut se lever et dire amen à cela maintenant. Amen. Amen. Ça ne peut pas faillir. This cannot fail. Dieu ne faillit pas. God never fails. Il forcera. 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 Que ce soit les maris de nuit, les femmes de nuit, les sirènes, la nourriture de nuit. Maintenant, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je vous ai dit, où Dieu est Dieu, où il est mort. Tu parles d'un contrat de travail. Va. Va. Demande le travail. Ils te disent non. Rentre à la maison. Parle à Salomon. Parle à l'Éternel. Il forcera. Il forcera. Il forcera. Si tu veux qu'il force, toi aussi, tu dois forcer. En faisant quoi? Seigneur, moi ce que je veux, c'est ça. Rien d'autre. Seulement ça. Rien d'autre. Donne-moi ça et rien d'autre. Oh mon Dieu. Oh my God. Pardon. Sorry. You may be seated down. Vous pouvez vous asseoir un moment. You may be seated down. Je vais vous montrer le quatrième point. I'd like to show you the fourth point. Terminons là. Let us end. La foi commence à monter. Faith is moving. Là, ça commence à monter. Faith is going higher now. Je la sens déjà là. La salle commence à devenir laiteuse. Une couleur blanche de foi. Justement, c'est ça qui produit le miracle. Tu étais venu ici, tu avais besoin d'un travail. Prenons d'abord le quatrième. Suivez-moi bien. Peu importe le besoin. Baptême du Saint-Esprit. Nouvelle naissance. Ceci, cela, peu importe. Quel que soit le besoin. Ça marche dans tous les cas. Tu as une affaire. Une entreprise pour toi. Tu veux que ça monte. Oui, ça va monter. Ça va monter. Ça deviendra grand. Comment? L'Éternel. Je n'ai jamais été connu sous ce nom-là. C'est maintenant que je me révèle sous ce nom-là. Et en tant que Seigneur, en tant qu'Éternel, je vais forcer. Là où on refuse, je force. Il ne veut pas, je force. Il refuse, j'oblige. Alléluia. Oh, il faut que je reste encore ici. Alléluia. Alléluia. Écoutez mes amis, listen to this. J'ai fait un effort de me ressaisir. Je dois prendre le quatrième point. Je termine là, je fais un effort de me ressaisir. Ce point est important, il faut que je termine. Je suis obligé de terminer ça. Suivez ça, frère. Dieu
Le quatrième titre que nous avons là. Alors on va incliner nos têtes. On va incliner nos têtes. Dieu tout-puissant, toujours à mes côtés. Dieu tout-puissant, à mes côtés. Toujours à mes côtés. Dieu tout-puissant, à mes côtés. Jésus-Christ. Alors si vous aviez un besoin que vous vouliez vraiment présenter à Dieu, c'est le moment maintenant de vous mettre debout et de parler au Seigneur. Où que vous soyez, sous les hangars, sous l'arbre, au balcon, partout. Maintenant présentez votre demande à Dieu. Adressez-lui votre besoin. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Forever. Il ne change pas. He never changes. Je vous ai dit, mes amis, s'il ne le fait pas, c'est qu'il est mort. Mais il vit. Il vit. Il vit. Parle au Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle au Tout-Puissant. Appelle El Shaddai. Appelle l'Éternel.
Dieu capable de faire tout ce qu'il dit encore. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Une foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Oh, 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 il fera. Il fera. Croyez-le, il fera. Il est déjà en train de le faire. Il est en train de le faire. Il fera. Il est en train de le faire. Alléluia. Amen. Maintenant, suivez-moi un moment, toujours dans une atmosphère de prière. Toute personne qui est venue malade, peu importe le cas, avancez-vous simplement.
Vous allez former une ligne. Même dans la rangée où se trouve frère Lozolo ici. Et vous allez vous toucher les épaules. Et je toucherai la première personne. Si vous pensez être malade, si vous savez que vous êtes malade et que vous avez besoin de guérison, peu importe le cas, que ce soit le sida, la tuberculose, le cancer, quelle que soit la chose, il forcera. Il forcera cette maladie à vous quitter. Alors, ils sont très nombreux. Vous allez juste former une ligne. Les uns derrière les autres. Vous allez vous toucher seulement les épaules. Ou les mains. Et moi, je vais prier pour la première personne. Et Dieu fera pour vous. Même si la ligne continue là-bas dehors, ce n'est pas grave. Vous resterez seulement là-bas dehors. Mais soyez sûr de toucher la main de la personne qui est devant vous ou son épaule. Quand je vais prier, je vais vous indiquer. Et avant de quitter l'endroit là, je vous dirai, vous pouvez maintenant rompre les rangs. Et le diacre qui surveille la ligne là vous aidera à rompre les rangs depuis l'arrière. Alors, pendant que vous êtes là, vous ne quitterez pas la ligne si on ne demande pas à votre ligne de partir. Parce qu'il faut d'abord qu'on ait prié pour la première personne qui est sur votre ligne et Dieu enverra le feu sur toute la ligne. Il est l'Éternel. Il forcera. Il forcera ces démons-là à quitter vos vies, à partir. Vous n'avez pas besoin d'arriver jusqu'ici devant. Touchez seulement la personne qui est devant vous. Vous mettez la main sur son épaule. Même si vous n'êtes pas dans la ligne, vous êtes juste à côté. Mettez la main sur celui qui est dans la ligne. Dieu va vous toucher aussi, je vous le garantis. Très bien. Good. Très bien. Good. Maintenant, now, je vais commencer avec la rangée des sœurs. Partout où il y a des sœurs là, et c'est la même rangée qui va juste à le hangar qui est à ma gauche ici.
Il y a même des frères aussi là-bas, il n'y a pas de problème. Je vais prier pour la première personne qui est ici. Et Dieu va envoyer son feu sur toute la ligne jusqu'à vous. Là-bas dehors, il va le faire. Je vais prier maintenant. Alors tout le monde, on a les têtes inclinées et les yeux fermés. Je vais prier à présent. Dieu notre Père céleste, ma main est posée sur cette première sœur. Elle n'est pas seule. Il y a beaucoup d'autres sœurs et frères dans cette ligne qui va jusque là-bas à gauche, là-bas dehors. Dieu Tout-Puissant, quel que soit le problème qu'il y avait dans chacun d'entre eux, maladie, dérangement de toutes sortes, peu importe ce que c'est, que ce soit le cancer, le sida, la tuberculose, peu importe comment cette maladie est appelée, même si c'est le diabète, les maris de nuit, les femmes de nuit, les sirènes, les nourritures de nuit, et toutes sortes de dérangements, au nom de Jésus, que ces maladies sortent de ces gens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez dans cette atmosphère. J'ai pris pour l'arranger des frères maintenant qui sont à droite. Et ça va jusqu'à dehors, le hangar qui est à droite et partout dehors là-bas. J'ai pris pour la première personne. Dieu notre Père céleste, par l'autorité de ta parole, ma main est posée sur ce frère. Et il n'est pas seul. Il y a beaucoup de gens derrière lui dans cette ligne, juste là-bas à droite, partout. Quel que soit le problème pour lequel ils sont ici, au nom de Jésus, qu'ils reçoivent, Seigneur, leurs besoins. Qu'ils rentrent guéris, libérés, sauvés et obtenant ce qu'ils ont demandé. Que l'honneur soit à toi, toi l'Éternel. Puisses-tu forcer toutes les puissances de Satan de sortir de ses frères, de sortir de ses soeurs, de quitter leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu notre Père céleste, ma main est posée sur ce frère, pour cette être ligne de frères qui veut jusque dehors également et à droite. Quel que soit le problème pour lequel ils sont ici, j'ordonne à Satan de sortir de leur vie au nom de Jésus-Christ. Toi esprit mauvais, si tu t'entêtes à présent, que l'Éternel te brûle par son feu. Que chacun reçoive l'objet de sa demande. Peu importe ce que c'est, qu'il voit que Dieu est réel et qu'il est grand au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, calmement, vous pouvez quitter les rangs. Mais par l'arrière, les jacks vont vous indiquer. Calmement.
et voyez le miracle que l'Éternel va accorder et manifester dans votre vie. Voyez. 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 Voyez simplement ce qu'il va faire. Voyez tout simplement. Voyez. Alors que Dieu vous bénisse richement. Rentrez dans sa paix et voyez Dieu manifester dans votre vie à partir de cet instant. Shalom. Vraiment, si je partirai, oh mon Jésus.